ce que j'ai à offrir à ce monde. Je suis la perfection que tu recherches. La rage et la corruption de Typhon étaient puissantes. Mais Phénix avait échappé à ses griffes. Pour l'instant. Yeah.
J'ai de la compassion pour Sisyphe. Comme moi, tu l'as condamné à rester enchaîné pour l'éternité. Moi, j'aime bien les chaînes. Et il serait toujours prisonnier s'il n'avait pas tenté de faire le vieux coup de l'échange et d'enchaîner la mort. À ça, il n'y a caresse pour ne pas remarquer que sa proie n'est pas morte. Mais bon, il a libéré Thanatos et moi, j'ai condamné Sisyphe à avoir pour seule compagnie éternelle un rocher.
Ces inscriptions seraient de la musique? Peut-être une partie de la mélodie en hommage à Typhon. Une partie de la mélodie en hommage à Typhon. C'est assez entraînant. Je pense que l'hommage à Typhon est complet. Il aurait mieux fait d'engager Apollon. En plus, il est moins cher que Pan.
Oula, elle sort tout droit des enfers, cette bestiole. Comment elle a fait pour atterrir ici? Je suis la vérité sans fin, la renaissance de ton monde.
le dragon d'Ismène, était un enfant d'Arès et le protecteur de son domaine. Elle n'est pas morte à Thèbes, cette bestiole? Ah mais si! Je m'en souviens, parce qu'il avait l'habitude d'amener ce petit monstre à nos dîners, et qu'un beau jour, eh ben, on l'a plus entendu siffler. Il a apporté son cadavre sur l'île d'Or, pour le pleurer. Ça ne ressemble pas trop à Arès. Tu es loin de tout savoir sur lui. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ses dents? Elles ont été arrachées par Cadmos, le célèbre tueur de bêtes, puis par Jason des Argonautes. Et là où les dents du dragon étaient plantées, des soldats surgissaient du sol. La guerre des crocs, en somme. Typhon a altéré ses soldats et s'est constitué une armée maléfique. Ah bien là, pourquoi Arès ne m'a pas dit qu'il l'avait apporté ici, le cadavre du serpent? Tu sais, ce n'est pas toujours facile de te parler. Ah ben, papa aime rigoler. Bien sûr, à ses dépens. Ma foi, ça brise la glace. Non, tu glaces tout le monde. Enterre les dents du dragon, et peut-être que pousseront les mots qui consoleront ton fils, ou bâtiront une cité, comme les Spartes ont aidé Cadmos à bâtir Thèbes. Ma perfection va recouvrir ces terres. Et là, entre les mâchoires du serpent si puissant jadis, se trouvait l'instrument de guerre d'Arès. Toujours au dernier endroit qu'on pense, hein? Pas vrai? Bon, j'ai la salpinx d'Arès et la mélodie en hommage à Typhon. Il est temps d'aller ouvrir la forteresse.
Ressaisis-toi, l'ours. Tu n'es pas prêt. Rentre chez toi. Arès ? Chut ! Tu veux qu'on me capture ? Je risque gros ici. Mais c'est ta forteresse ? Je ne règne plus sur la basse-cour, souviens-toi. Tu seras le roi de ce château dès qu'on aura repris ton essence. Si c'est le cas, les dieux en feront des bons de joie. Aphrodite mariée à ce taré d'Héphaïstos. Enfin, il paraît qu'il peint avec les doigts maintenant. Et puis Zeus me déteste. Mais pas du tout. C'est juste que je préfère la stratégie d'Athéna, sa maturité, et puis la musique d'Apollon aussi. Ah, on dirait mon père. Ah. Arès, regarde-toi, là. Le voilà, le vrai toi. Tu te moques de ce que les gens pensent. Tu agis. Tu rases des villes entières quand tu n'obtiens pas ce que tu désires. Tu protèges ta famille et ta population aux dépens de tout le reste. Tu es un gros dégueulasse. Et tu as toujours été mon préféré. Ils sont bizarres, tes goûts. Allez, on va ouvrir cette porte. Tu viens avec moi ? Quoi, là-dedans ? Ah, mais non ! Si l'ancien moi a réussi quelque chose, c'est bien de verrouiller la forteresse. Elle est parfaite. D'accord, d'accord. Je vais trouver ton appareil de suivi et ressortir. Reste à l'abri. Il faut quand même que tu saches que l'endroit va grouiller de sbires de typhon. Voilà une autre de mes bénédictions, Phénix. Puisse-t-elle t'aider encore une fois. Bonne chance. Je suis avec toi. Tiens donc, je ne connaissais pas Arès comme ça. Je l'ai peut-être mal jugé.